C'est pourquoi ce dîner? Voilà, Gérard. C'est plutôt pour un conseil. Trop grand jeu. C'est quoi votre histoire? Voilà. J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Francis. Qu'est-ce que vous lui voulez à Francis? Vous l'avez pas fait assez chier comme ça? Vous voulez tout pris, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais rien. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit en deux ce soir? Casser les escargots et queue de bœuf. Ah bah c'est parfait. Pour deux. Tu nous choisis le vin. Tu nous sers vite. Je suis de mauvaise humeur. Non mais ça va faire trop pour moi. Quoi? Elle va pas être grossière en plus. Et si on prend pas du brocoli que tu as l'eau de vitel? Si on prend du plaisir. Je sais ce mot-là. Plaisir. Ne changez rien, ce sera parfait. Comme ça, il vous manque. Ça vous étonne? Ah, ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Sarah Lame. C'est tout de même le père de mon enfant. Parlons-en. Quand je pense que vous avez assez truite toutes les deux pour pas l'inviter au mariage de sa propre fille. Moi non plus en passant. On ne savait plus où joindre. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Ce que je vous ai dit, avoir des nouvelles. Ça suffit, ma belle. Pendant des années, à chaque fois que tu me regardais avec l'air de dire que ma bite avait un goût. Là, tu t'as bien habillé en orgue de Noël pour venir dîner avec moi, pour avoir des nouvelles. Ça marche pas, faut trouver autre chose. Arrêtez de crier, je vous en supplie. À l'atelier, ça va pas du tout, la situation est catastrophique. Les banques vont nous lâcher. Elle est capable de virer Pouillot. C'est lui qui est parti. Il a dit, c'est moi ou Rémi. Évidemment, vous avez choisi le plus con. J'ai choisi mon gendre. Il a laissé l'entreprise dans un état abominable. Il faut à tout prix qu'il revienne, ne serait-ce que quelques jours. Il n'y a que vous qui pouvez persuader. Les ouvrières, elles ne veulent même pas négocier avec nous, vous imaginez? Ah oui, j'imagine. Mais ces femmes-là ont du bon sens. De toute façon, je suis sans nouvelles de Francis depuis 3 mois. Silence radio. Quand il m'appellera, c'est qu'il en éprouvera le besoin. Comment je respecte son silence? Démerdez-vous! Donc pour tout vous dire, je suis assez content que vous soyez dans cette merde. Il y a une justice tout de même. Manger, ça va être froid. C'est horrible ce que vous dites. Je vais peut-être m'étorcerai, mais vous oubliez que j'ai passé ma vie pendant 26 ans auprès d'un imposteur qui m'a menti et mis à la télévision devant la France entière. J'ai payé, je crois. Arrêtez de chialer comme un veau. J'ai horreur de ça. À votre âge, c'est ridicule. Ça vous a plu, Nicole? Ah oui, c'est exquis. Exquis.